Est-ce que ça va bugger du coup? Ouais, ça va bugger. Mais heureusement, dans Dark Souls, tout s'enregistre à la milliseconde. Heureusement, putain. Mais ils sont malinois, hein? Parce qu'on peut pas. On peut pas. Se dire, bah, je vais éteindre le jeu, comme ça il va pas sauvegarder. Et comme ça, je vais pouvoir maroufler. Par exemple, imagine, je meurs, j'avais 10 000 âmes. Hop, je coupe le jeu. Comme ça, il a pas eu le temps de sauvegarder. Mais si! Le jeu sauvegarde tout! Tout! Tout, tout le temps. Ça m'impressionne beaucoup dans ce jeu-là. Vous inquiétez pas, ça va se lancer, ça va se lancer. Salut à toi, The Rain, et bonne nuitée. Merci d'être passé. Dark Souls n'est pas dur, mais exigeant. La nuance est importante, je trouve. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc on est de retour sur Dark Souls. Prepare to die edition. Ah, c'est difficile de pas faire le oh yeah de BB300 quand on fait cette voix-là quand même. Très difficile. Donc maintenant qu'on a battu cette espèce d'araignée gigantesque avec une corde de femme très bien proportionnée. La question que j'aurais à poser, ça serait qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh oui. Bon, je vais aller là parce que voilà, ça s'est débloqué. À mon avis, c'est par là qu'il faut aller. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après ça? Bonjour à toi. Tu te suicides suite aux élections? Blue Planet? Non, c'est juste que j'aime bien jouer à Dark Souls, mais voilà. Non, je sais pas quoi dire. Exigeant joue, exigeant oui, mais dur aussi, dans le sens. Oh! La deuxième cloche a sonné! Yatta! Quand on va pouvoir acheter le passe-partout, même si maintenant il sert plus à rien. Voilà. Donc on a sonné les deux cloches. Ça y est. Tu sauras quoi faire en sonnant la cloche. D'accord. Magnifique tearing sur l'écran. Désolé, hein, c'est comme ça. Il y a un tearing. Ah! Le lait de soja complètement figé, c'est dégueulasse. Dégueulasse! Je suis pas bien cadré quand même. Hein. Succès déverrouillé! Hausse de retour. Très bien, très bien. Est-ce que je dois me. Est-ce que vous me conseillez de sauter ou pas? Hein? Bon, je pense que ça me paraît évident que je mourrais si je saute, mais bon. T'as le choix entre continuer après le boss à la forteresse de Sen ou aller à la nouvelle. À Nouvelle-Lando. Bah pour être sûr, tu n'as pas besoin de toutes les infos. En fait, tu as un très bon. Level design. Il y a un très bon level design. D'accord. Bon, écoutez, on va explorer un peu, hein. Est-ce que t'es toujours là, Psychomantis? Je t'invoque. Tu peux sauter, mais ça serait bête quand il y a un escalier. Ah oui, voilà. Ok. Ouais. Ah, c'est quoi? Mais c'est bizarre, c'est quoi ce truc? À quoi ça sert? On sait pas, on sait pas. Mais je te conseille la forteresse de Sen. D'accord. Il y a une histoire intéressante dans Dark Souls où le gameplay fait un peu tout. Bah en fait, bon, tu viens d'arriver, mais comme il y a une question à peu près similaire tout à l'heure, demandant s'il y avait une histoire dans le jeu. Et bon, bah, je vais répondre à la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, oui et non, parce qu'en fait, l'histoire, c'est toi qui dois aller la chercher. Il y a une histoire globale dans le jeu, mais bon, quand on joue, c'est surtout pour le gameplay. Mais après, si tu fais tes petites recherches, tu peux découvrir une histoire complètement énorme et très étendue, un très grand background. Donc voilà. Ah, je vais peut-être passer de niveau, non? Allez, force.
Fouille bien les environs autour de ce cercle. J'en dis pas plus, mais regarde bien, tu devrais trouver un truc. Autour du cercle. Ça m'intrigue. On va voir, on va voir. Il y a une armure que je trouve complètement stylée dans ce jeu. Je me souviens plus du nom. Mais le mec, c'est un peu bleu. D'ailleurs, pour le battre, c'est un boss qui a exactement la même armure avec une épée, des petits tissus bleus. Non, comment ça, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, elle est complètement stylée et je veux la faire. C'est obligatoire. Il faut que je la fasse dans ce jeu-là. Il faut. Elle est tellement, tellement belle que voilà. C'est obligatoire. Y a rien. Oh, il est passé par là. Je le plains d'avance s'il continue par là. Artorias dans le DLC? Ah, je crois que c'est Artorias, ouais. Tout à fait. Mais c'est en DLC, ça? C'est en DLC? Est-ce que je l'ai le DLC? Parce que moi c'est l'édition, enfin c'est Prepare to Die édition. Donc est-ce que Prepare to Die, il y a le DLC? L'armure d'Artorias, c'est bien ça. Fouille bien. Mais comment on fait pour bien fouiller? Parce qu'on peut pas démolir ces trucs-là. Donc je fais tout le tour. Tout le tour. Oh! Oh! Putain, mais comment savoir? Comment savoir ça? Oui, on va dire oui. Il est trop bizarre, ce mec. Et suivez-moi. Normalement, tu as le DLC, oui. Ah, cool. Je prends un petit truc pour la gorge parce que là, ça va plus. Il est inclus dans le base, dans le de base dans la version PC, ok. Bonsoir le live, bonsoir monsieur TTL. Comment ça va? Eh, mais c'est encore un feu! Et qui c'est ça? C'est sa soeur ou quelque chose comme ça, la bosse? En renforce de fiole d'astuce! Oui! Âme de guerre de gardienne du feu requise. Ah bon? Prêter serment, c'est quoi? Renoncer à ce serment et se lier à celui-ci? Je sais pas moi. Vous me conseillez quoi? Vous me conseillez quoi? En gros, t'aurais répondu non, il t'aurait jamais laissé passer. Ouais, il faut toujours répondre oui. Et accéder au DLC, bah il est pas. Alors, bah il est si bien intégré au jeu que tu ne sais même pas quand tu y es sans te renseigner avant. D'accord. Tu as pas d'indication du moins. D'accord. Mais on peut y aller dès le début à ce truc de DLC parce que j'aimerais vraiment avoir cette armure-là. C'est un serment avantageux pour les pyromanciens. T'en fais ce que tu veux. Salut Black Wolf, comment ça va? Bah autant répondre oui alors, je sais pas. Vas-y. Je prête serment. Je me souviens pas avoir prêté serment à quelqu'un d'autre avant, du coup je vais le faire là maintenant. Oh, ok. Attends, je vais lui parler, on sait jamais. Ok, ça valait le coup. Non, on peut y aller dès le début. Oh! Attends. Non, on ne peut pas y aller dès le début. D'accord, ok, j'avais mal lu. Et je peux y aller quand? Est-ce que je peux y aller maintenant que j'ai sonné les deux cloches? Attends, spectre sombre droit devant. Oh. Mais on peut pas l'ouvrir. D'ailleurs, pendant les combats dans ce jeu-là, est-ce que vous l'utilisez souvent ce truc-là? Le backdash.
J'oublie tout le temps de l'utiliser. J'ai aucun. Enfin, je sais pas, mes instincts de joueur, zéro là-dessus. J'ai jamais eu le réflexe de faire des backdash dans quelconque jeu que ce soit. Du coup, je sais pas, il faudrait que j'utilise parce que ça a l'air pratique quand même. Tu aimes le jeu Hotline Miami? Mais je sais pas. Quand j'y jouerai, je te dirai. Mais là, je sais pas. Alors non, il te faudra un objet qui est dans l'une des dernières zones du jeu. Ah, oh. Mais moi, je veux l'armure tout de suite. C'est plus loin, d'accord. Alors là, si c'est plus du 60 FPS, c'est normal. Moi non plus, là, je l'ai plus. Je l'ai plus, là, c'est normal. Ah, là, c'est revenu. Ah, quoique. Un petit peu de baisse, là. Ah, là, ça baisse. Ah, là, ça baisse. C'est plus du 60 FPS. Ah, là, c'est bon. Ah, là, non. Là, c'est bon. Là, non. Là, c'est bon. Il faut regarder que de ce côté-là pour le 60 FPS, s'il vous plaît. Sinon, ici, ça drop. Là, ça drop. Et ça a l'air un peu dangereux comme zone, non? J'utilise peu les backdash, je préfère les roulades ou juste reculer simplement. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je fais aussi, mais ça a l'air. Ouais. Wow! Pas tombé. Je te le conseille, le gameplay consiste souvent à péter la gueule. À péter des gueules, mais l'histoire est vachement intéressante et profonde. D'accord. Vous parlez de l'histoire du coup du jeu. J'y vais alors. Tcha 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 tcha. Il faut passer par là ou pas? Ah, je ne sais pas. Un truc qui m'a énervé dans ce jeu, c'est que, ok, la lave c'est joli, mais elle est hyper, elle fait hyper mal aux yeux. Ouais, c'est vrai qu'elle est très phosphorescente, hein. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une espèce d'halo lumineux tout autour, pas très réaliste, il faut le dire. Mais ça sert à rien que j'aille ici, putain, il n'y a pas de passage. J'espère qu'il aime les verts. Pourquoi tu dis ça? Après, c'est peut-être moi, mais perso, ça m'a assez gêné. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un peu. En tout cas, ici, ça se voit que c'est un peu chaud au niveau effet de lumière avec la lave. C'est vrai que c'est pas top. Mais en tout cas, les murs sont bien. Hein. Ça me fait penser à du Giger, vous savez, Alien. Regardez-moi ça, comment c'est classe. Ah, ça, vous pouvez pas le faire avec la souris, hein. Il faut une manette pour faire des effets comme ça, hein. Ça pète la classe, non? La petite rotation en caméra. Bah du coup là on est d'accord que ça sert à rien que je sois ici. Il y a aucun passage nulle part. Je suis obligé de remonter là. Aucun passage nulle part. Enfin, je pense, hein, je vais regarder un peu, mais je vois pas de passage, moi. Bonjour. Ah, il prie. Comment on dit... Attendez, en ce moment, j'apprends le japonais. Comment je dirais ça, du coup? Kadewa inoriteimasu. Je pense qu'on dit comme ça. Ah bah si là, c'est bon. Bah non, c'est là d'où je viens, non? Non, ah non non non. Ah non non non. Tu joues dans le noir à Dark Souls, t'arrives dans la zone de la lave, sans comprendre pourquoi, tu perds tes yeux. J'avoue que si tu joues à ça sur un grand écran, dans le noir complet, bon jusque-là ça va, c'est assez sombre et tout, voilà, t'aimes bien. Et là t'arrives ici et paf! Aveugle. Voilà, tout simplement. Paf! T'as plus d'œil. Est-ce qu'il faut appuyer sur un truc ou pas ici? Eh, mais les textures sont vachement bien ici. Bon, c'est.
C'est un peu normal parce qu'on pourra jamais aller plus près et du coup pas forcément besoin de faire des résolutions de ouf. Du coup DC, elle paraît méga bien résolue cette texture. Ah, elle est vachement bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Au lieu d'avancer dans le jeu. Salut Gabriel. Dark Souls, ça se joue au pad de toute manière. Ouais, non, franchement, Dark Souls, oubliez. Oulah, la baisse de framerate. Oubliez. Clavier souris, non, non, ça se peut pas. Qualité PS3. De quoi? Non, mais là, oh là là, oh! Bon, j'espère que je vais bien là où il faut aller, hein, parce que. En même temps, j'explore, c'est Dark Souls, c'est ça. Hein. Quand on débloque des choses, il faut explorer, il faut bien fouiller, il faut bien. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça a pas l'air d'être de mon niveau, ça. Texture porn, ce plafond. Non, mais ouais, trop. Par contre, il y a un décalage là avec le stream. Wow! Sur YouTube, c'est dingue. Je pensais que c'était moi. Bah, c'est joli quand même. Hein. Par contre, c'est méchant ou pas ce truc alors? Ça ressemble à un boss quand même. Hein, on est d'accord. Oula, oui, ça ressemble beaucoup à un boss. Oh, oula. C'est Shadow of the Colossus niveau de la taille. Mais il me fait rien. Bonjour. Vous avez l'air en forme. Et tu es moi! Eh putain, vous savez à qui me fait penser? On dirait la tête de Bio Broly dans Dragon Ball Z, le film avec Broly là, avec toute la merde qu'il a sur la gueule. Vous trouvez pas? Kore wa nan desu ka? Ah, shirimasen. Il est gentil tant que tu lui embêtes pas sa maman. D'accord. Bonsoir, MacMist. Ah oui, d'ailleurs, on m'a demandé si je faisais un live demain. Parce que vendredi, c'est férié. Du coup, ça serait pas mal de faire un live demain. Vu que pas besoin de se lever tôt le lendemain. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula, par contre, on se rapproche. Qualité PS3, là, on la voit. Hein. Oh! Armure! Armure! On va tester ça de suite. Hein? Eh mais j'ai rien fait, c'est pas moi! J'ai rien fait! Je pars, regardez! Je vous laisse tranquille! Metal Gear! Je vous laisse tranquille! Je n'ai rien fait! Broly ou Brocoli? Branloli? Non, Broly! Re-Haven Blast! Mais j'ai fait que prendre une armure, pourquoi il s'énerve? Oh putain, c'est plus en 60 FPS ici, c'est dommage. T'as pillé le cadavre de sa maman, mais c'est pas sa maman! Sa maman elle fait ça et lui il fait ça, c'est comment c'est possible? Elle a dû souffrir quand elle a, à la naissance de ce bébé. Tape-le. Wouah! Tape-le, ça va te débloquer le passage en bas, si je me souviens bien. Quoi, ça veut dire juste tape-le une fois, même si je lui fais pas de dégâts? Attendez, attendez, je passe ça au moins. Ah bah je peux pas. Ah, je suis obligé de mourir. Oh. J'ai pas le niveau les mecs. Sauf s'il reste comme ça pendant une demi-heure. J'ai rien compris. J'ai rien compris pourquoi je l'ai battu. Je sais pas du tout. Le Metal Gear façon Benzaï m'a tué. Sinon, vous avez bu le dernier Roddy et Mastico de Benzou? Revu plutôt.
bordel de Vénard. Mais comment ça se fait? T'as eu une chance de ouf. Mais c'est sérieux? Sérieux? J'ai eu une chance de ouf? Sérieux? Pourquoi? Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi je pensais que c'était vu que je l'ai battu, je pensais que c'était normal et que tout le monde le battait facilement comme ça. Mais j'ai eu une chance de ouf, c'est vrai. En gros, t'as tapé son bras et il l'a lâché, il est tombé. C'est... Oh, c'est possible que lors du premier fight... Oh my god, là! Ah, je suis content de faire ça en stream, je pourrais garder une trace. Ah là, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Bah, tu l'as défoncé, voilà ce qui s'est passé. Putain, mais... Et voilà. Et voilà, j'ai défoncé un boss du first try. Je comptais même pas le faire. Écoutez, on est un PGM ou on l'est pas, hein, c'est tout. C'est... Voilà, voilà. J'avais absolument pas peur de lui au début. Absolument pas, mais absolument pas. Non, 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 du tout. Il restait trop longtemps dans cette position, il a eu accès au point faible de ce boss. Putain, mais... j'arrive pas à y croire. du coup, ça sert à rien de retourner, je pense, parce que voilà. Normalement, on n'est pas aussi proche. Normalement, on n'est pas aussi proche de lui. Putain. Bah, j'ai pas le niveau, les mecs. Veil de Vicen. Mais ouais, mais je voyais sa vie qu'il faisait ça. Et je pensais pas qu'il allait rester comme ça aussi longtemps, qu'il allait lâcher le bras et qu'il allait mourir en tombant. C'était impensable pour moi. Pour moi, il y avait des phases, deux, trois phases de boss, voilà, où je devais me planquer, voilà, plein de trucs comme ça. Je croyais que quand il mettait son bras, ça allait durer 3 secondes, après il va se remettre debout, il va refaire des trucs de flamme et tout. Flamme doudoune. J'ai pas suivi le début, c'est la première fois que tu fais ce jeu. Ouais, c'est la première fois que je fais ce jeu, ouais. Et apparemment, j'ai de la chatte, hein, putain, parce que là, j'arrive pas à y croire. Hein. Ah, putain. Val qui comprend rien mais qui baise le jeu. Mais c'est vrai! Non mais c'est trop ça! C'est fou! Non mais on déconne, c'est pas un boss chiant normalement. Pas dur mais chiant. Non déconne, c'est un boss chiant normalement, voilà. Pas dur mais chiant, voilà, ok. Bah là il est pas chiant du tout. Hein. T'as fait le demi-god là. Merci, et pas, c'est fou. Complètement l'armure. Ah oui alors je vais voir ce que ça donne cette armure. Putain, deux boss quand même là en une soirée, c'est pas mal. Sac, non, 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 merci. Oh, c'est... Ah, c'est ça? Elle a l'air stylée! Le style! Le style! Y a pas les jambes? On se fout de qui là? Ah non, si c'est bon. Oh, regardez-moi ça! On dirait les mecs dans Seigneur des Anneaux sur les chevaux, là. Tu te présentes pour 2017? T'as tes chances, je pense. Ouais. Veille le président. Je suis sur le cul, bordel. J'avais pas... j'arrive pas à réaliser non plus. Non, mais... En plus, moi, je sais pas de quoi vraiment vous parler, parce que c'est la première fois que je vois ce boss-là et que je le fais. Du coup, je regarderai sur Internet à quoi il ressemble plus précisément, parce que du coup, je m'en rends pas très compte de la chance que j'ai eue, finalement. Par contre, c'est le seul boss qui a une technique, donc faudra pas trop faire le malin les prochaines fois, d'accord. Un Nazgûl sauvage apparaît, et ouais. Et du coup, j'en suis à combien de défense? Défense physique, 169. Bon, pff. C'est comme ce que j'avais avant. Du coup, attendez, je suis où là? Je suis où? C'était ici qu'il y avait le boss, non? Et là-bas, j'ai pris le truc de sa maman. Donc on va retourner là-bas. Tu as l'air aussi débile qu'un Nazgûl en tong. C'est trop ça! L'homme qui a trouvé le moyen de speedrunner. Ouais. Sans faire exprès, ouais. Du coup, reviens, t'auras une surprise. Ok. Je reviens. Je veux ma surprise. Je veux ma surprise.
J'espère que ça sera une belle surprise. C'est là-bas. Le vieux Nazgûl. Roulade. Oula, attention. Alors, Vail, c'est dur Dark Souls. Bof, tu one-shot les boss, donc c'est pas ouf. ouais. Attention à ne pas prendre la grosse tête non plus, hein. C'était un gros coup de chance. Les chiantos, je les avais oubliés. Regarde en contrebas. Contrebas. Je ne sais pas. Attendez. Je vais faire le gros geek. Désolé. Mais c'est l'heure du chips. Non, en fait, c'est juste qu'il faut que je bouffe un truc parce que j'ai trop mal à la gorge. Alors, y'a quoi en contrebas? Le pont là? Mais il nous drôle, il fait semblant d'être un noob pour speedrunner au haut niveau. Il y a moins de lave. Hein? Du coup, faut que je descende? Ah, ok, ouais, oui, d'accord. Ok. Et c'est connu que les chips calment les maux de gorge. Non, mais c'est juste que quand t'as. Si tu bois pas, si tu manges pas, ça devient tout sec. Tout sec. À force de parler, c'est tout sec. Du coup, manger, ça crée de la salive, ça fait. Ça passe, voilà, ça. Voilà, tout simplement. Nave solide. Ici, là. Ouais. Mais du coup, ah, voilà, il y a un truc là-bas. Oh non. C'est quoi ça? Il a l'air méchant. Très méchant. Maroufle. Ah là, c'était différent du boss, hein, là, niveau skill. Oh! Ouais, pas loin, là-haut! C'est revenu, tu as battu. Quoi? Nana araignée ou pas? Ouais, j'ai battu elle! Et un autre boss, je l'ai one-shoté. Non, Jaco, il passe-moi la gourdasse. Il fait grand soif. Tu te souviens du démon Kappa? Bah maintenant, c'est un mob de base. Oh, mais oui! Ah ouais, quand même. Alors dites-moi, est-ce qu'il faut que je continue par là? Voilà quoi. Maintenant qu'il n'y a plus de lave. Parce qu'il est fort quand même, il m'a one-shoté. Putain, ce qui est chiant avec les chips, c'est que je peux plus m'arrêter. En fait, je veux essayer de faire le marouflard, hein, comme d'habitude, de courir, le contourner. Tu devrais aller à la forteresse de Seine, je pense, mais tu peux continuer si tu veux, mais il y aura pire. Ah ! Mais la forteresse de Seine, c'est dans quel sens ? Oui, je parle plus, j'ai décidé de plus parler. Allez.
est difficilement esquivable hein, quand même. Non mais on s'en fout du message. Continue. En tout cas, pour l'instant, le live n'a pas planté. OBS, fais le café. Eh oui. Ah mais non mais... Non mais... C'est une blague? Ah ouais, non. Non, 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 non. On va aller à la forteresse de Sen. J'ai pas envie de perdre mes âmes là, du coup, on va faire l'option de la retraite. Ah ouais, du coup, il y a du chemin pour aller à la forteresse de Seine, parce qu'il faut tout, tout rebrousser, quoi. Ah, il faut vraiment le voyage rapide, là, ça devient urgent. Dis pas ça, sinon ça va planter. Ouais, c'est vrai. T'arrives là où j'étais bloqué. Ma gloire, je vais aller plus loin que toi. Ah. Je pensais que t'étais plus loin du jeu de moi. Il m'a foutu les boules le mob, je m'attendais pas à le voir. Ouais. C'est vrai qu'il a un peu surpris. Bon moi je l'ai pas entendu derrière donc ça va. La mûre que tu portes est plus lourde que celle que tu avais. Ah ouais? Mais comment c'est possible? C'est juste un bout de tissu celle que tu... Bon ok. Voilà, en plus elle est plus classe quand même, hein. Le ninja, il faut l'avouer que là... Sérieux? Alors que le truc est un sac poubelle. Voilà, c'est ça un peu. Je porte un sac poubelle et c'est plus lourd. On va rebrousser chemin hein, pour essayer d'aller à la forteresse. Perso, la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai failli abandonner à trois endroits. Les gargouilles, l'oreille et hardie et le foyer. Et vous? Moi, j'ai pour l'instant, j'ai pas eu envie d'abandonner. C'est bien par là qu'il faut rentrer, hein. Ouais, ouais. C'est là où on a battu l'araignée au gros nichon. Oh là là, ça va être long le chemin, les mecs. Ça va être long. Laurel et Hardy, c'est qui, bordel? Je connais les Laurel et Hardy, les vrais, mais dans le jeu, je vois pas à quoi ça ressemble, quoi. Ah, par contre, là, ça va être chaud de pas mourir. Eh, on voit rien, c'est noir. Allez, vite. Oula, ouh, c'est pas passé loin, ça. Ouais, mais ils me suivent. Même dans l'eau flotte empoisonnée, ces enfoirés. Oh là là! En plus, moi, je suis super lent dedans. Ah oh, la vache, fuck. Ya 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 ya. Je veux au moins arriver au campement. Enfin, si c'était par là, je pense, ouais. Oui.
On dit d'éviter le fat roll à tout prix. Vous inquiétez pas, je déteste être lourd, du coup, y a pas de souci, j'éviterai le fat roll. Tu as un raccourci pas loin normalement. Mais je l'avais pas déjà débloqué le raccourci pas loin. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Aïe 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 aïe. Ouille 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 ouille. Le raccourci. Est-ce que ça... Attends, ça nous mène où déjà? T'en fais pas, t'es encore loin de croiser l'OR et l'ordi. Mais sache que ce sera un gros challenge. Ok, ça fait peur. Ah oui, passe un niveau. Bonne idée. Ah bah je peux pas. Attendez. Je tue un petit mob pour passer le niveau et après ça ira. Ou deux, ou trois, je sais pas combien il faut. Il donne 100. Et il en faut combien, j'ai pas vu. Attendez, je suis pas sûr. Ah bientôt, bientôt. Il manque juste un petit dernier et je peux passer de niveau. Voilà. Comme ça, si on meurt, bah c'est pas grave de perdre les âmes après. Allez, vitalité, ça fait longtemps quand même. Mais c'est quoi ces trucs là? C'est quoi ces ronds là? Ouais, il a changé de côté. Mais c'est quoi? Non, c'est pas ça, non. C'est... Raccourci, tu l'as loupé. Le raccourci mène à les cheveux. Le raccourci, je l'ai loupé. Non, mais c'est celui qu'on a débloqué tout à l'heure ou pas? Celui qui est non, pas ici. Ah, il doit être là-bas alors. Putain, mais ça devient super sombre l'image des fois, je comprends pas. Et bordel, sort de du. Bah, ok. Les ronces, c'est des viseurs buggés. Ah, ok. C'est des bugs. Ah, je me le disais aussi, c'était bizarre quand même. Bon, c'est pas grave, allez, on va le faire à l'ancienne, on va passer par là. Tu as déjà joué aux autres Dark Souls? Non. Non, c'est pour ça que je fais le premier, c'est pour découvrir toute la franchise. J'ai en fait, j'avais testé le 3, parce que je sais pas, l'univers, le style de jeu, je pense que c'est... Enfin, je m'étais bien dit que c'était le genre de jeu que j'aimerais bien, parce que moi j'aime Monster Hunter et tout, donc voilà. Du coup, j'ai testé le 3, mais il plantait souvent parce que c'était une version crack. Et ça m'a donné envie de commencer la franchise. Du coup, j'ai acheté le premier là. Et je ferai pareil pour le 2 et le 3. Et Bloodborne. Ouais, franchement, je kiffe vraiment cette franchise. C'est vraiment du lourd. Oui, par là ou pas déjà? Non. Ça ne... Ah! Vous êtes content de me voir mourir là, hein? Ah, je suis sûr que vous êtes content. On vous dit, ah, comme ça, il va devoir tout refaire. C'est que ça sera canon. Bloodburne. Bite bien dur, mais qu'est-ce que vous dites? Tu as galéré sur le démon Capra? Le boss avec deux chiens. Le boss avec deux chiens avec lui. Je l'ai pas fait encore.
Dark Souls 2, c'est du caca. C'est un bon jeu, mais un mauvais Dark Souls. C'est pas Miyazaki derrière, ça se ressent. Ah, Miyazaki, c'est celui qui gère les jeux Dark Souls, d'accord. Mais j'ai entendu les deux, moi, les deux extrêmes. Comme quoi Dark Souls 2 était nul, et comme quoi Dark Souls 2 était vachement cool. Donc je sais pas quoi penser, je sais pas trop quoi en penser. Putain, mais je regarde le chat, du coup je regarde pas où je vais dans le jeu. Mais putain, la caméra a bougé toute seule. Je sais pas ce qui s'est passé, la caméra a bougé toute seule. Oh putain, saloperie. Veille la Rox, le Capra, first try. Eh ouais, le Capra. First try. Les ronds lumineux sont des traces que d'autres joueurs ont utilisées. Un miracle. Et si tu utilises un miracle au même endroit, son effet est augmenté. Genre soin, tu te dis, ok. Je connais pas trop les trucs miracle et tout. Je peux encore tester ça. Il y a tellement de trucs à savoir dans ce game. Bah il est bon, mais pas un Dark Souls génial en fait. Le souci c'est qu'il fait plein d'animations et tout, le boulot, tout le son, mais ils ont foiré l'ambiance. Ok. Bon après ils ont peut-être voulu faire un truc peut-être un peu plus différent du premier. Ça peut se comprendre, hein. Ça peut se comprendre de pas vouloir faire exactement la même ambiance que le premier pour pas faire un Dark Souls 1.2, quoi. Ça peut se comprendre. Après, ça marche ou ça marche pas. Ça peut arriver que ça marche pas. Le 2 est plus Heroic Fantasy, et là, le premier, c'est plus Dark Fantasy. Perso, ça m'a pas gêné, d'accord. Ouais, après ça dépend les gens, hein. Moi je sais que ça me dérangera pas du tout d'avoir une ambiance un peu différente, hein, parce que voilà. En plus je pense que le Dark Souls 3 revient un peu plus à l'ambiance du 1, donc je sais qu'il y a celui-là après, donc voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus méchant. Et Bloodborne, hein, vraiment d'avoir une ambiance de gros malade, hein. J'ai vu des vidéos, ça donne vraiment envie, hein. L'ambiance est canon. Le truc londonien... très dark, vraiment c'est ouf. Oh, il serait qui était là lui. Bah, j'ai crevé, hein, c'est sûr. Les mecs, j'ai crevé. Les roulades de merde là. Ah oui, les roulades de merde, effectivement. Faudrait que je me soigne au feu pour si jamais je meurs. Mais c'est chaud. Eh, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Le 2 est plus long, non? Bah, je sais pas. C'est vrai que... Enfin après ça doit être à peu près la même longueur je pense, ça dépend comment tu joues aussi. Oh bah il s'est suicidé. Merci. Il faut passer par où déjà pour revenir? Ah là-bas il y a le truc, voilà, c'est pas loin d'ici le feu les mecs. On va essayer le saut. Oui. Ah regardez-moi ce PGM. Bah ben, il est pas là le feu. Ah non, il est juste après. Je me souviens. Ah mais je suis pas à deux mains. Ah si, c'est bon. D'ailleurs, il est pas temps de réparer l'arme par hasard. 146 sur 200. Bon allez, on va le faire. Réparer équipement. Vous avez choisi de réparer la clé mort. Voilà. Quand je parle, tout le monde s'en fout. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste que des fois, on voit pas. C'est tout. C'est triste. Salut, Wazaneko. Pourquoi
pourquoi t'as pas pris le raccourci pour remonter? Parce que je sais pas où il est, je comprends rien à ce jeu! C'est par là? Oui. Oh là là! Oh, j'avais plus d'endurance. Épée brisée, c'est de la camelot ce que tu me refourgues là. Soyez un peu plus généreux s'il vous plaît. Attendez, il faut passer par où déjà ici? C'est là hein? Non, c'est pas là. Là c'est pour revenir justement. Oh là là, putain, mais j'ai vraiment une orientation de merde, je comprends rien. Je sais plus où je suis là. Waouh, oh, on se calme. Ah, c'est pas passé loin quand même. Mais il dit. Normalement, il y avait une échelle, je me souviens, là-bas peut-être. Qu'il fallait prendre en haut. Ah non, c'est ici là-bas. Elle a marre de ces mobs. Oula, il faut soigner là. C'est en haut là-bas, normalement. On peut monter ici? Mais je comprends rien. Y'a pas d'échelle. Y'a pas d'échelle, ils se foutent de ma gueule. Je veux une échelle, moi. Oui, merci, tu m'as répondu, je t'aime trop. Ah, bah merci, c'est gentil. Artorias win facile. Tu crois? Ah, moi, je le veux. Le raccourci, c'est ce que tu as débloqué tout à l'heure avec le gros... Ah oui, ouverture à grid, ouais. C'est vrai, mais je sais pas où il est. Dans ma tête, je me souviens plus. Veille, je verrai bien avec l'espadon d'Artorias. Reste à voir quelle version de l'épée te conviendra. Et moi, je veux l'armure d'Artorias. Elle est trop classe. Tu joues avec une épée à deux mains, juste pour la classe ou pour les dégâts? C'est pour les dégâts, parce que y a des monstres... où je peux faire un one shot grâce à ça. C'est quel boss que vous avez fait plus galérer dans Dark Souls 1? Perso, je m'abonne, j'aime trop, continue. Ah bah merci. Merci, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Les dégâts sont plus importants à demain, voilà. Screaming égale un Laurel Hardy. Ah oui, forcément. Le fameux Laurel Hardy que tu parlais. Mais il s'appelle vraiment comme ça ou c'est juste pour décrire le boss? Mince, c'est lesquels déjà? Putain, mais comment on fait pour revenir, sérieux? Tout à l'heure, j'y suis arrivé. C'est juste que beaucoup le surnomment comme ça. Ah d'accord, ok. Mais les mecs... Ah, c'est là-bas. Ça y est, je m'en souviens. Ça y est, y a pas de soucis. Je m'en souviens. Je m'en souviens, ça y est. Normalement... Il y a une échelle. Il y en a partout, hein, mais il y a une échelle du côté où je vise là. Ici, voilà. Voilà. Et lui, voilà, je m'en souviens. Aïe! Aïe! Putain, j'ai fait le jingle de Intermarché sans le faire exprès, quoi. Intermarché. Oh non, mais fais pas chier, je vais monter juste. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà. Poussez-vous, excusez-moi. Laissez-moi passer. Je m'aroufle un petit peu.
Oh, il a cassé un vase. Alors, du coup, voilà, voilà, la forteresse, la forteresse. Bon, j'arrive, forteresse. Putain, mais c'est dingue. Dans ce jeu, on va... En fait, quand on joue à Dark Souls, on se crée une map dans la tête. On va, voilà quoi. Limite, on va connaître tous les recoins après. Dans Bloodborne, t'auras plus, t'auras plus de fioles d'estus, mais des potions que tu peux acheter et trouver sur les cadavres. Ah, ça c'est cool ça. Artorias m'a bien fait galérer aussi, mais c'est ma faute. J'ai tellement rushé le jeu que j'ai pu y accéder et que j'avais. Ah oui, attends. J'ai tellement rushé le jeu. Pour y accéder que j'avais un niveau très bas au moment de l'affronter. Spoil! Putain, le boss de... Poussez-moi, excusez-vous. Tu fais des lives sur Twitch? Les questions qui reviennent tout le temps. Bah... Je vais répondre à chaque fois. Bah, en tout cas, déjà, il est marqué... non, là. Il est marqué ici... En haut, en haut de l'écran au milieu, que les rediffusions sont sur Veil Games. Putain, j'arrive plus à parler. Sur ma chaîne Veil Games, il y a les rediffusions. Et donc déjà, si tu veux les revoir, les vidéos, tu peux aller dessus. Mais du coup, j'ai expliqué plusieurs fois que je faisais pas des lives sur Twitch parce que j'ai des problèmes de paramétrage. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai essayé plein de trucs, mais j'arrive pas à paramétrer des bons streams sur Twitch. C'est-à-dire qu'il y a une grosse latence de presque 2 minutes, il y a des saccades, c'est le gros bordel. Et en plus... Merde. Et en plus... Oh merde. Et en plus, j'ai dit, sur Switch, je ne suis pas partenaire, du coup, vous ne pouvez pas choisir la qualité vidéo. Et comme j'ai la fibre, ça serait dommage de streamer du 480p alors que je pourrais streamer du 60fps en 720p, quoi. Voilà. Donc pour l'instant... La meilleure solution reste YouTube. Pour l'instant. Pour l'instant. Après. On sait jamais. Pourquoi remonter du coup? Remonter? Pourquoi il faut pas remonter? Et le refaire avec son stuff, c'est assez épique. Mais ouais, mais je le veux. Je veux l'armure de ce mec-là. Je fais le porc. Si je me mets comme ça, c'est parce qu'il y a la tablette et il y a le chat dessus. C'est pour mieux voir ce que vous marquez. Ah oui, il faut. Ça fait combien de temps là pour la troisième vidéo? Combien de temps? Bon, on peut continuer encore un peu, je pense. Faut bien remonter, t'en fais pas, d'accord, ok. Ok. Voilà, j'esquive, j'ai dit. Ah, ça va pas être comme tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, ils m'ont gangbang, j'ai rien compris. Mais je suis un zombie, je te donne des coups de dague. C'est quoi là-bas déjà? Ah, 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 ah,
Bah de toute façon on peut pas monter donc c'est obligé d'être là. Ça m'aroufle, bah oui ça m'aroufle. Quand tu auras fini Dark Souls, tu passeras au 2 ou tu feras un New Game Plus? Ah non, je passerai au 2, hein. Le New Game Plus ça passera pas maintenant. Hein. Parce que j'ai vraiment, en fait je suis trop impatient de faire le 2 et le 3. Donc j'aurais pas, je pourrais pas faire le New Game Plus avant. Vas-y doucement, ils te mettent la misère. Ouais ouais t'inquiète. Attends, la bonne époque, des 10 fioles d'estus, ça me manque. Après, chaque jeu est calibré comme ils l'entendent, hein, les gens. Donc, alors, leur forteresse, ça ressemble à quoi? Il faut que j'aille où? Ou bien, je peux peut-être battre le boss pour avoir son armure, là. Enfin, bref, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il y a une grosse baisse. Pour le second, t'as pris la version de base ou la... J'ai pas le deuxième... J'ai pas encore le deuxième Dark Souls. Je fais très gaffe à ma thune en ce moment. Du coup, je prends pas tout d'un coup comme un bourrin. Ah oui, Artorias, ce sera vers la fin du jeu. Mais, hein, mais je veux maintenant. Aïe! Metal Gear? Non, voilà. Tu fais des loves la journée? Ah oh ouais, ouais. Non, généralement c'est le soir, hein, toujours vers 21h. La journée, je fais pas ça. C'est moins calme. C'est moins calme pour faire des lives. C'est derrière le cimetière, il me semble, la forteresse. Mais le cimetière, c'est pareil, je sais pas où il est, moi. Il s'est fait envahir déjà en PVP? Non, mais attends, est-ce que je suis en humain là ou pas? Non, je suis pas humain là. Hein. Je suis pas humain, je peux pas me faire envahir en PVP. Depuis Lige-feu, t'as un raccourci. Lige-feu, tu as un raccourci pour aller jusqu'à la forteresse. Et Lige-feu, c'est où déjà? Putain, mais. Tu sais, les noms des lieux, je peux pas. Décris-moi à quoi ça ressemble. La forteresse go vers André le Forgeron. Ah voilà, là ok. André le Forgeron. Au moins là je vois où c'est. Bah du coup go. Attendez. Oui, moi je passe toujours par là d'habitude. Par là. Lige-feu, c'est le point de départ. Oh. Oh. Humanité ! Non, pas d'humanité. Too bad. Là où il y avait un chevalier oignon. Un chevalier oignon ? Impossible. Attends, gardienne du feu absente, impossible d'allumer le feu. What? Là j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Ça m'a jamais fait ça avant. Ah, attends, maintenant qu'on a sonné les deux cloches, je fais un truc direct. Yvain, le chevalier au lion. Bah voilà, on a tenté, hein, on a tenté. Oh ah, je vais respawn où? Oula, attendez, ça me fait peur, je vais respawn où? Ah non, putain, yaya. Mais laisse-moi passer, salon. En parfait. Et c'est même pas le mec. Enfin,
Celui du 3, c'est sa réincarnation comme les 3, 4 PNJ. Va en bas, là où tu as boosté ta fiole. Okay. Je te passe. Je suppose que t'es. T'as laissé un PNJ en vie. Ah, attends, j'ai laissé un PNJ en vie qui a tué la gardienne et s'est barré comme un fourbe. T'es sérieux? Non, mais oh là. Je peux plus. Ça veut dire que je pourrais plus l'utiliser du tout? À tout jamais? Prends l'ascenseur après l'escalier. Vers le feu. Vers le feu, éteint. Et go en face dès que tu t'en sortiras. Bah déjà, je vais retourner comme ça, hein, comme ce qu'on a fait. On va essayer de pas se faire trop toucher parce qu'avec eux, à chaque fois, je m'en prends plein la gueule. On va pas perdre du temps à les avoir quand même, hein, ça fait chier. Oh non, mais ouais, mais là, je suis bloqué. Oh putain, c'est la. C'est Dead Rising. Oh. Oh. C'était Abu Nai là, hein, putain. La roulade que je viens de faire, elle était magique. Oh, putain. Oh, c'est le viol du petit Veil, là. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Je reformule, retourne là où il y avait un feu éteint. Les cheveux, ouais, là, je vois, c'est là où je suis en train d'aller. Et monte les escaliers au milieu des ruines. Je cours en face et tu arriveras vers André. Oh, attends, déjà, je vais aller au feu éteint. Hein, ça sera déjà une bonne chose de faite, mais c'est pas par là. C'est pas par là non plus. Ah, on peut restaurer le feu. Ok, cool. Ce que je veux faire, c'est d'abord. Ah, mais j'ai peur de mourir. Bon, j'irai plus tard. J'irai plus tard. Je vais faire ce que vous me dites avant. Tu connais Undertale? Ouais, je connais Undertale. On me l'a offert. Il faut que j'y joue. Il faut que j'y joue. Faut peut-être en live. Y a pas de souci. Alors, retourne là où il y avait le feu éteint, ça c'est fait, et monte les escaliers au milieu des ruines. Alors, au milieu, ça doit être à peu près ici. Alors, monte les escaliers, il y a beaucoup d'escaliers. Ça doit pas être là. Attends, au milieu des escaliers, au milieu des ruines, il y aura un ascenseur. Une fois en haut, tu cours. Il va face André. Ah, mais oui, non, mais ça, je sais. Ah, tu veux dire au forgeron? Ah oui, mais ça, je sais, le forgeron, je sais où il faut aller. C'est là-bas. J'avais oublié qu'il s'appelait André. Tu finis live à quelle heure? Bah, je sais pas. Je vais peut-être pas tarder non plus. Ouais, effectivement, il est minuit. En live, fais gaffe aux spoilers. C'est-à-dire. Spoiler. Pas. Bon, je vais voir André, hein, notre petit André.
Oula, j'ai entendu des flèches. Ouh, petit Freeze. Freeze, t'es givré. Alors voilà, hop, sauvegardage. Et pourquoi je dois aller voir André déjà? Je me souviens plus. Ouais, bonjour, vous avez l'air en forme. Vous avez besoin de forger quelque chose? Renforcer armes, peut-être. Tu parlais de faire Undertale en live. J'ai connu tellement de personnes qui se sont fait spoiler le jeu. Ah, d'accord, oui, ok. Bon, continue le live, il est trop bien. Merci, merci. Il y en aura un autre sûrement demain de live. Repose-toi au feu de la forteresse. De la forteresse est juste en face. La maison du fun de scène. Le pire, c'est que ça m'étonnerait pas que tu fasses peut-être des covers de ce jeu tellement elles sont bonnes. Ah, c'est possible, hein, c'est possible. Là où t'as pris le feu, il y a une sortie qui te mène vers la prochaine zone. Mais oui, ah, c'est là où il faut aller, où j'avais dit tout à l'heure que j'étais impatient d'y aller justement parce que c'était beau. C'est ici. Voilà, c'est ici. Ouais, regardez-moi ça avec les arbres et tout, je trouve ça vachement beau. Sur quel jeu demain? Je sais pas, Dark Souls sûrement. En ce moment, je suis très Dark Souls. Après, je peux faire autre chose. J'aimerais bien finir Alien vs Predator, la campagne Marines, parce que j'étais bientôt à la fin. Et puis continuer celle du Predator. Et j'aimerais bien faire Colonial Marines en live aussi. C'est un jeu de merde, mais je l'aime bien. Ah, what? C'est les trucs de Soul Calibur. Yo, yo, what? Oh, c'était costaud, putain. Ils ont fait bien mal, bien bien mal. Tu l'as fait le papillon? Ouais, j'ai fait le papillon. Je suis un magnifique papillon. Au moins, ce qu'il y a de bien dans Dark Souls, c'est que il y a des putains de mecs aux miniguns qui te font chier. Ah, c'est qu'il y a pas de putains de mecs aux miniguns qui te font chier, d'accord. Ça doit être un par rapport à Bloodborne, j'imagine. Alors, HS, au passage, Vel, je trouve tes compos et tes covers sont géniales. Ça fait un moment que je te suis. J'espère que tu continueras encore longtemps. Désolé, petit rototo. Eh bien, merci beaucoup pour ce message. C'est le genre de message qui me fait vraiment très plaisir. Ne t'inquiète pas, normalement, je continuerai encore longtemps. Hein. C'est pas prévu que j'arrête, loin de là. Prochain jeu demain, j'adore me faire péter le fion en et one shot. Ouais, Dark Souls. Bonne chance dans la forteresse. Ouais, bonne chance. C'est vrai? Pourquoi? C'est dur? Bah du coup, on peut s'arrêter là pour la VOD. Parce qu'on voilà, on va découvrir une forteresse et c'est le suspense. Et du coup, là, il va planter le jeu, mais c'est normal. C'est normal. Mais comment ça se fait que ça marche pas les raccourcis, là? Attendez. Au revoir. J'ai dit... Ah non, ça c'était pour arrêter le stream, je crois. Ça va? Je suis toujours là? Non, c'est pas. Ça marche pas de toute façon. C'est pas ça.